a un point d'avance pour la vallée là-bas. Oui, bah ça, je veux bien. Samedi, dimanche. Ah, demain, on se la fait à deux, oui. Tiens, je vais répondre. Moi, c'est sûr que du point de vue du film, il y a beaucoup plus d'intérêt si vous êtes dans l'image. Oui, c'est pas du tout. Non, là, je prie pour qu'il y ait un coup d'estoc, une pomme d'Adam, les brachés. On sait jamais. Pour un oeil aussi. Parce que là, pour l'instant, j'en tire à rien. Hein. Non, mais c'est correct, c'est très correct, moi, je trouve. Ouais, c'est pas des sauvages. Ah, c'est comme t'as beau voir trois fois en face de deux, c'est pas pour ça que tu te rattraperais. Déjà quand tu vois la météo ils disent moi ça rien pour carrément alors que normalement tu arrives en automne là tu perds 3 2 minutes ça sera lent ouais. Mais après juin juillet août c'est brutal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vacances qui sont réussies. Gagner une demi-heure carrément le mois. Ah non, il était bien joué avec le bois comme il faut. Demain.
demain je viens avec ma maillot du matalofeur. Il y a tous les amis pour. Il a raison. Ça la tête. Il y a deux ans, j'étais lancier, parce que bon, je voulais plus combattre, franchement, j'étais lancier avec le président. Le président, lui, il était épéiste, on était au moins deux. Seul, il faudrait que tu te fiches. Ouais, seul, tu sais pas avec qui aller. Voilà. T'as pas de gants aussi, tu peux te mettre à côté. Si, tu connais bien les troupes, tu sais les quitter. Voilà. Moi je les connais de vue, mais je les connais pas pour faire des tactiques dans ces cas-là. De toute façon, en guerre, tu cours pas tout seul. Non, mais regarde les lances, ils sont toujours bleus et rouges. Ouais. Ok. Bon, go. Go. Ah, beau. Franchez la gorge. Allez, on boum, très joli. C'est pas mal. C'est bien. C'est Paul ? Je suis prêt à partir sur le côté. C'est là, j'ai fait la sangle là. C'est pas seul. Dans le haut là. Tiens, la ceinture là. Allez, revends. Tu es les mais il revient. Attention. Ça existe 14e Bohème. Ah ouais, le masque. Comme ça, Bohème. Ouais, ouais. Les enluminures. Avec la grille, vraiment, espacée. Pour pouvoir bien respirer en étant protégé des coups. Ouais, mais en fait, tu prends un ox là-dedans, t'es mort. Oui, non mais quand tu le sais, par contre, t'as un angle de vision qui est génial. Quoi. Ouais, mais la grille devant, ça n'est pas comme ça. C'est vraiment fait. C'est à mi-distance, ça pose problème. Parce que ça te change les. Ça te fait des angles morts. Parce que là, vraiment plus près, c'est mieux. La première fois, je le sais. En Bohème. Émeric Villiers, il en avait une comme ça aussi. Ah ouais, c'est pas comme ça. Il y a 2-3 ans, il s'est. Ouais. 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 Ah, ils commencent à s'étaler les artisans. Ah ouais, t'as plus de vêtements, des chapeaux, des. Attends, plus les artisans, je peux pas le samedi, hein, parce que les prix sont pas les mêmes que le vendredi. Demain, je vais revoir mon casque de chien. Ouais, il y a une brocante du vendredi matin, je crois. À tout le tour. On capte que des mots prix. Je sais pas pourquoi j'ai dit Fabien en plus. Ah bon, il est un peu à plat, hein, les filles, là. Oh, ils tuent les arbres. C'est vrai qu'ils sont proches, mais bon. Ouais. Ouais, tu m'entends mieux ? Je suis un peu le vide, là. Hein ? J'entends rien du tout. J'entends rien du tout à ce que tu dis.
Joli, joli. C'est pas ton cul. Arrête, il y aura un deuxième épée. Que ça a un prix. Hein. Et il n'est pas eu cher. C'est celle qui est à Milan, en fait. Enfin, il y a une ventrale, une dorsale, des petites plaques, et après, il y en a une. Volontaire, pour la Véloce-Pelin. Ici, volontaire, c'est direct, ici. C'est là, c'est une